vidéo YouTube. Qu'est-ce que je suis contente de ressortir ma caméra là depuis la rentrée, je suis trop contente. Vous m'avez trop manqué sur YouTube, enfin franchement je suis trop heureuse de ressortir ma petite caméra et de repartager plein de moments avec vous. Aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble et pour mon plus grand bonheur, on va manger. Comme son titre l'indique, aujourd'hui on va manger. Donc logiquement ça va être une bonne vidéo, ça fait partie de mes vidéos préférées. Je pense que c'est un secret pour personne. J'ai réservé une table pour deux, mon copain et moi, dans un nouveau restaurant lyonnais. Il s'agit du restaurant Coco Lyon. Ça a ouvert il n'y a pas très très longtemps et il existe aussi un restaurant Coco à Paris cette fois-ci. Celui-ci à Paris est un petit peu moins bien noté que celui de Lyon. Il a seulement 3,8 sur 5 sur TripAdvisor. Donc moi, dès lors que ça dépasse pas les 4, je trouve pas ça très très fameux. Mais par contre, à Lyon, il est beaucoup mieux noté. Il a 4,1. Donc il passe la barre des 4. J'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de tester parce que c'est très instagrammable. C'est un lieu très beau, très chic. Mais est-ce que la nourriture qu'on y mange à l'intérieur est bonne? Parce que c'est bien cool d'avoir un beau lieu, mais il faut surtout aussi de la bonne nourriture, c'est quand même le plus important quand on va au resto. C'est un restaurant qui propose une cuisine traditionnelle française. Ils sont situés à Lyon, à la gare des Brotteaux. C'est vraiment, on va dire, un beau lieu, ils sont dans un bon arrondissement, etc. Donc écoutez, j'ai très hâte, j'ai déjà un tout petit peu, juste un tout petit peu, regardé la carte, parce que dès lors que je vais dans un restaurant, je suis obligée de regarder la carte en amont, parce que j'adore manger, et je me fais envie avant, en regardant la carte, et là c'est clairement ce que j'ai fait aujourd'hui. Promis, j'ai fini de blablater, mais quand même, pour aller au restaurant, vu que le cadre est trop beau et tout ça, de ce que j'ai vu sur les photos, j'ai sorti une petite robe, mais vous voyez pas, je vais vous la montrer après de plus près. Franchement, petite robe noire, petit blazer, je vais mettre des petites chaussures, un chouïa talon ou pas forcément, je sais pas encore ce que je vais mettre en chaussures, mais dans l'idée, vous avez vu un petit peu le look. Bon allez, terminé de blablater, on va manger, je suis trop contente. De recevoir la carte. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de choses. On nous a apporté des petites amuse-bouches, on a déjà reçu l'eau. Franchement, c'est hyper mignon le cadre, c'est magnifique. Et pour le moment, c'est pas blindé de monde. Là, on choisit nos petits plats. Déjà, dans la carte, il y a plein de trucs qui me font envie. En entrée, il y a l'œuf bio mollet croustillant, petit pois, poitrine fumée, 16 €. En vrai, c'est pas donné pour une entrée, mais ça a l'air très très bon. J'avais regardé les photos sur Insta. Il y a la stracciatella fumée, tomate cerise, crouton. Enfin bref, tout me donne trop envie. On va voir ce qu'on va prendre. C'est très compliqué parce que tout le monde me fait envie. Enfin, et je suis gênée de filmer dans un restaurant. Là, vous voyez par exemple, noix d'entrepôt, 49 €, c'est super cher. Tu as pris à boire? Petit verveine. Ah, mais je suppose que c'est pas de la verveine classique. C'est tout ce qu'il y a dans le climat. Ça coûte cher? 15 €. Ouais, donc pour un cocktail, ça va, on va dire. En fait, moi, vu que je bois pas d'alcool, j'ai pas de référence. Mmh, ça se régale, hein, je vous dis. Délicieux. Vraiment bon? Super bon, ouais. Par rapport au cocktail que t'as l'habitude de boire, parce qu'en vrai, t'es un pro des cocktails. Je sais pas si je suis un pro, mais... Mais il est pas mal. Il est très bon. 10 sur 10. 10 sur 10. Bon, moi, je pars sur le poulet et Joe, il part sur le quasi de veau. C'est parti, on prend ça. J'ai choqué des allumettes. Il y a carrément des allumettes coco. Coco. En fait, tu payes tout le cadre. Genre là, ils servent du bon pain avec du bon beurre, plein de petits amuse-bouches. Franchement, c'est magnifique. Pour avoir déjà été à Paris au restaurant Coco Paris, le cadre c'est très très ressemblant. Dans le sens où les tables, un petit peu comment c'est positionné, les buissons derrière, les couleurs, c'est exactement la même chose qu'à Paris. Ils ont essayé de reproduire un petit peu le décor. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur internet, c'est le même architecte qui a fait à la fois Paris et à la fois Lyon pour rester dans le même univers. Franchement, c'est magnifique, c'est très parisien, c'est tout ce que j'aime. Ça. Oh l'œuf. Oh là 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 là, mon dieu, ça m'a l'air officiel. En plus, il est pané, je sais pas trop comment on dit. C'est genre une mousse de petits pois. Il y a du lard, c'est relevé, c'est hyper bon, c'est délicieux. Faut que tu goûtes. On est d'accord que c'est incroyable. Mon dieu. Ok, on a reçu nos plats. Poulet pour moi, l'assiette est hyper bien présentée et honnêtement c'est quand même assez copieux. Petite purée pommes de terre, des légumes pour Joe. Toi, c'est comment? Ça s'appelle déjà ce que t'as fait? Carré de veau, je crois. Carré de veau. Franchement, ça a l'air très très bon et on est servi hyper vite en moins de 5 minutes. T'adores quand je te filme comme ça. J'adore. Oh
Moi, c'est excellent, même la sauce. Tout est excellent. C'est pas obligé. Les serveurs sont très gentils, ouais. Très polis, et ils viennent souvent nous voir. On n'attend pas du tout. Trop bien. Et le poulet, Le veau, Le veau, Bonne bête, oh là là. Ah putain, ça c'est le genre de truc que je déteste. Je me régale. J'ai explosé par contre. J'ai mis une robe, je sais pas comment je fais pour mettre ça. Heureusement que c'est du nord, sinon on vient d'avoir. Un churros, j'ai vu goûter ça. Hop. Mais ça n'a rien à voir avec le churros, c'est... Très délicieux. C'est incroyable. Ça a le goût du churros, mais c'est pas, on dirait pas du churros. Purée. Mon dieu. Ça, je mange, pour en manger 20. Ah, carrément. On se retrouve, on est dans la voiture, on va se faire un petit débrief face caméra. On va parler de ce qui vous intéresse, soit le prix. J'ai payé 120 euros pour deux. Honnêtement, je trouve ça hyper cher, mais la qualité était là, vraiment. Autant dans le service, le lieu qui était incroyable, la nourriture était excellente, même les légumes, enfin tout était bon. Même moi, de base, qui raffole pas de certains produits qu'il y avait dans mon assiette, j'ai tout mangé tellement c'était bon. Les petits pois, on voit vraiment que c'est des produits qui sont frais. Enfin, vraiment, je me suis régalée, donc je n'ai rien à dire dans ce sens-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des plats qui sont quand même beaucoup plus chers. 120 euros pour deux, pour une entrée, deux plats, un dessert, un cocktail... une bouteille d'eau et quoi d'autre ? Et un verre de vin. Honnêtement, je vous recommande vraiment cette adresse si vous voulez passer un bon moment, que ce soit avec vos amis, en famille, pour votre anniversaire, si vous avez, je sais pas, une réunion de travail organisée dans un beau lieu. C'est vraiment esquis, le lieu est incroyable, c'est le plus beau restaurant que je n'ai jamais vu sur Lyon, il n'y a même pas de doute possible. C'est hyper beau pour faire de jolies photos, mais surtout vous y mangez très très bien. Et du coup, j'ai un petit peu échangé avec la serveuse, histoire de comprendre un petit peu l'ambiance du restaurant, comment ça marchait. C'est vrai que j'avais déjà été à Coco à Paris et j'avais pas trouvé les serveurs serveuse très agréable. J'ai trouvé honnêtement que certaines personnes étaient assez hautaines et qu'on nous prenait de haut. Tandis qu'à Coco Lyon, c'est vraiment tout le contraire. Les serveurs, les serveuses, tout le monde était adorable, aux petits soins. Les services, franchement, ça allait super vite. On n'attendait quasiment pas pour avoir notre plat. On se sentait vraiment considéré sans être non plus étouffé. Vraiment, l'ambiance de Coco Paris, c'est quelque chose d'assez festif. À partir du 6 septembre, il y a les musiciens qui reviennent. Ou tous les soirs, il y a les musiciens qui se baladent dans le restaurant pour jouer, etc. L'architecte, c'est un architecte qui est espagnol et qui a fait vraiment un lustre magnifique. C'est hyper chic, hyper luxueux, sans en faire non plus des caisses. Franchement, je me suis régalée, donc si vous avez envie de tester ce restaurant, c'est certainement pas moi qui vais vous dire un avis négatif, parce que j'ai adoré. Et voilà, je pense que je vous ai donné mon avis très complet, j'ai essayé de rassembler le plus de choses possible. C'est vrai que j'étais très gênée de filmer dans un restaurant, parce que du coup le restaurant ce soir était complet. Alors honnêtement, je pensais pas du tout, mais au fur et à mesure qu'on arrivait, il y a de plus en plus de tables qui se remplissaient. Pour les personnes que ça intéresse d'ailleurs, il faut réserver sur leur site internet, et vous ne pouvez pas y aller juste pour boire un verre le midi, c'est exclusivement le soir. Donc voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce restaurant et s'il y a d'autres adresses que vous voudriez que je teste. C'est vrai que je trouve qu'à Lyon, il y a de très bons restaurants, parce que bah, on va pas se mentir, c'est la capitale de la gastronomie, mais il y a très peu de bons restaurants et de beaux restaurants. Généralement à Lyon, on a plein de petites adresses un petit peu nichées, mais franchement là, le cadre, mais c'est une pépite. Voilà, je vais vous laisser parce que là, actuellement, il y a l'orage qui est en train de se lever, c'est tout noir, il y a tout le monde qui se dépêche à aller dans leur voiture et j'ai pas envie de me prendre une saucée en rentrant. Donc on se dit à vendredi prochain, 18h, pour une toute nouvelle vidéo. Jojo, faut dire au revoir. Au revoir. Bisous. Au moment où je dis ça, il y a tout le monde qui est en train de courir à leur voiture. Non, ça va. On a bien mangé, on a dépensé plein de sous et maintenant on va devoir dépenser des sous pour la carrosserie. Regardez les grêlons, non mais sans rire, ça va baiser toute ma voiture.